Mademoiselle Claudel, s'il vous plaît. Mademoiselle Claudel, vous venez, on va faire le bain, vous êtes trop sale. Venez faire votre bain, ça vous fera du bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'histoire, mademoiselle Claudel. Voilà. Vous êtes toujours sale, mademoiselle Claudel. Il faut vous laver. Allez. À chaque fois, c'est pareil. Voilà. Voyez cette main toute sale, mademoiselle Claudel. Et puis ça vous apaise. Eh bien, mademoiselle, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas avec les autres? Allez, retournez avec les autres. Attention, venez! Docteur, s'il vous plaît. Mademoiselle Claudel a l'autorisation de préparer son repas à cause de sa crainte d'être empoisonnée. Et non, pas de minute.
Mademoiselle Claudel, est-ce que vous pourriez vous occuper de Mademoiselle Lucas?
Mademoiselle Claudel. Mademoiselle, que s'est-il passé ce matin en cuisine? On me dit que vous auriez menacé de souffleter l'interne. C'est pas le danger que je cours. D'essayer de m'emmener. J'ai l'autorisation de faire mes repas, comme vous m'avez dit. Oui, vous avez l'autorisation, mais c'est exceptionnel. Et pour votre bien. C'est bien. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Samedi, votre frère, M. Paul Claudel, viens vous rendre visite. Merci. Je ne sais rien d'autre que d'être en bonne mère. Mon petit peu. Faites que ce soit fini. Que je retrouve mon cher travail. Alléluia. 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 Gloire à Dieu et à tous ses saints. Il a prié pour tous ces cinq apôtres arrivés à Bethléem pour sauver Jésus. Il y avait Rome, les Romains du temps des Romains. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Alléluia.
sœur. Vous n'avez rien à faire au pensionnat. Alléluia. Alléluia. Ça y est, vous êtes toutes là? Je pense que le repas est prêt. On peut entrer maintenant. Mettez-vous un peu là. Concernant les repas de la semaine prochaine, 3 pensionnaires en moins, donc pour le mardi, le jeudi. Oui, bien sûr. Mademoiselle, n'ayez pas peur, personne ne veut vous empoisonner ici.
mademoiselle. Comment vous l'appelez? Blanc. Blanc. Est-ce que vous posteriez pour moi une lettre au village en secret? Vous avez une adresse où pour envoyer la lettre? Chez ma mère, Madame Veuve Blanc, Tour Philippe Lebel, à Morières-les-Avignon. Ma chère Henriette, c'est de bien loin que je vous écris. Ce n'est plus de mon joli petit atelier du quai Bourbon. Depuis le jour où j'étais enlevée de chez moi par la fenêtre, j'ai bien essayé souvent de communiquer avec vous. Pas moyen, je suis surveillée la nuit comme le jour, comme une criminelle. Je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. J'ai été internée d'abord à Villévrard, puis sous prétexte de la guerre, on nous a transportés ici à Montverg, près d'Avignon. Inutile de vous raconter ce que j'ai souffert depuis que j'ai été arrachée de mon atelier pour être enfermée dans ces horribles maisons. Dans les commencements, mon cousin Charles Thierry a essayé de me tirer de là, mais depuis, j'ai plus de ses nouvelles. Chère Henriette, si vous pouviez m'écrire et me donner de vos nouvelles et de vos chers enfants, vous me feriez bien plaisir. Ne parlez à personne de ma lettre, car vous me feriez des ennuis. Et si vous voulez, répondez-moi à cette adresse. Madame Veuve Blanc, Tour Philippe Lebel, à Morières-les-Avignon. Cette personne a été assez bonne pour m'offrir son aide. Mettez donc une grande enveloppe à l'adresse ci-dessus et une autre dedans, plus petite, à mon nom. Recevez, chère Henriette, mes bien sincères amitiés pour vous et vos chers enfants. Paul me fait savoir qu'il vient samedi. Je ne désespère pas de sortir un jour d'ici.
mademoiselle, comment ça va aujourd'hui? Non, aujourd'hui nous n'avons rien pour vous. Voilà ma soeur, je vous la confie. Alors, mademoiselle, comment ça va? Comment ça se passe? Je suis ici sans savoir pourquoi. Ça va durer longtemps, cette plaisanterie-là. Elle a encore pas longtemps. J'aimerais même savoir. Incarcérée comme une criminelle. Pire. Qu'un avocat. Mais ma famille veut m'aider à sortir de cet enfer. Je suis privée de liberté. De feu, de nourriture, de commodité la plus élémentaire. Fais-moi ce qu'on veut. Mais mes parents m'ont abandonnée. Répondre à mes plaintes que par le mutisme le plus complet. D'être abandonné de façon. Je peux pas résister au chagrin qui m'accable. Maman et ma sœur et... m'ont séquestré de la façon la plus complète. Aucune lettre, aucune visite. À la faveur de cela, elles tiennent beaucoup à ce que je sorte jamais d'ici. Près de mon héritage. Alors on me reproche quoi? D'avoir vécu toute seule. Passer ma vie avec des chats. Dans la manie, la persécution. Je comprends que c'est l'intérêt de ces beaux messieurs qui sont jetés sur mon atelier, s'emparant de toutes mes œuvres, et me laisser le plus longtemps possible en prison. Ils sont bien pressés de jeter l'été noir sur cette pauvre femme qui serait pour une accusation vivante. Fantôme, gênant de leur crime. Il n'y a pas de danger, ils ne me laisseront pas sortir. C'est Rodin qui les tient dans ses griffes. Rien qui s'est servi d'eux pour s'emparer de mon atelier.
même si Étienne en s'est gris, parce qu'ils ne peuvent pas bouger sans sa permission. Ah, depuis longtemps, l'affaire était goupillée, de façon à ce que je puisse pas. Depuis longtemps, je n'osais plus sortir de chez moi. Chaque fois que je m'absentais, des messieurs pénétraient chez moi par la fenêtre, fouillaient dans mes carnets, mes croquis sur lesquels ils faisaient ma basse. J'ai Rodin qui les avait dressés à faire le même métier qu'ils faisaient depuis de nombreuses années. Ils trouvaient en eux des complices et une excuse. Je suis prête de faire tout possible pour me libérer. J'ai pas l'intention de rien réclamer, je suis pas assez forte pour ça. Je me contenterai de vivre dans mon petit coin comme j'ai toujours fait. La vie que je mène ici me convient pas. C'est trop dur pour moi. Excusez-moi de vous parler franchement. Et pourtant, vos relations avec Monsieur Rodin ont cessé depuis 20 ans. Bien. Nous nous revoyons la semaine prochaine, mademoiselle. Mademoiselle Pierre, il faut rentrer. Mademoiselle Pierre. Non ! Mademoiselle. Non ! Mademoiselle Pierre. Bonjour, mademoiselle Claudel. Mademoiselle Lucas. Mademoiselle Lucas, vous voulez que mademoiselle Claudel vienne avec nous? Vous venez promener avec nous, mademoiselle Claudel? Mais venez avec nous. Venez promener. Venez avec nous. Thank you.
dans les rues, on se promène. Mais tout ça est là. Allez, on y va. Levez bien les pieds.
Mesdemoiselles, le texte, vous le savez par cœur. Maintenant, je veux le ton, les gestes, un Don Juan très galant et une Mademoiselle Charlotte qui se méfie un tout petit peu. On reprend. Allez. Bonjour, madame la paysanne. Don Juan, reprenez votre geste. Comme il faut. Galant. Charlotte, reculez-vous un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Bonjour, madame la paysanne. Bonjour, monsieur. D'où vous venez? Du village. Vous vous appelez? Charlotte. Don Juan. Moi, Don Juan. On reprend depuis le début. Monsieur. Bonjour, madame la paysanne. Bonjour, monsieur. D'où vous venez? Du village. Comment vous appelez? Charlotte. Madame Jean. Je veux. Vous êtes belle. Vous avez de beaux yeux. Vous avez des beaux yeux. Des visages. Vous avez réfléchissante. Donnez-moi votre main. Non, j'aurais dû laver sans tout ça. Vous avez des belles mains. Voilà, c'est la scène 1. Maintenant, nous allons prendre la scène 2. Bonjour, madame Vézanne. Non ! Don Juan, voulez-vous m'épouser ? J'ai compris, on répète tout. Non, on répète pas tout. On prend la scène 2. Ah, d'accord. C'est tout. Êtes-vous marié ? Non. Mais bientôt avec... Pierrot. Mais quoi ? Avec la fille des paysans ? Jamais, je vous aime trop. Vous voulez m'épouser? Non. Pourquoi? 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 On reprend. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous m'épouser? Oui. Non, non. Pas tout de suite, pas tout de suite, Charlotte. Pas tout de suite, pas tout de suite. Vous voulez m'épouser? Vous l'avez déjà dit, maintenant Vous êtes un peu perdu, quoi. Ouais. Eh ben, nous reprenons. Allez, nous reprenons. Don Juan, vous êtes bien Don Juan, vous voulez séduire. Non, à condition que ma tante veuille. Non. Vous dites simplement, Charlotte, vous dites simplement non. Non. Pourquoi? Parce que vous êtes un courant de jupon et que vous me trompez. Vous vous trompez jamais. Je vous moi, aime vous trop. Trompez jamais. Jamais, je vous aime trop. Reprenez ça, moi vous trompez. Moi vous trompez jamais, je vous aime trop. Mais regardez-la. Vous dites pas ça en l'air, vous la regardez. Je regardez. Regardez, que je fais là. Vous regardez par terre. Non, je regarde pas par terre. Alors, regardez Charlotte. Regarde-moi. Je regarde, j'ai que ça. Moi, ah, vous trompez jamais. Vous trompez jamais, je vous aime trop. Vous voulez m'épouser? Alors, reprenez. Oui. Oui, mais... À condition que vous ne me trompez pas et que vous ne courriez pas les jupons. Jamais, je vous aime trop. Vous voulez m'épouser? Non, Donnez-moi un baiser. Approchez-vous, Don Juan, donnez-moi un baiser. Donnez-moi un baiser. Charlotte, pas avant le mariage. Pas avant le mariage. Je vais baiser votre main. Après, je vous baiserai autant de fois que vous voudrez. Je vais baiser votre main. Je pense que vous pouvez faire mieux. Après, je vous passerai au temps. Ha ha ha!
Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Non! Que se passe-t-il, mademoiselle Claudel? J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai plus une créature humaine. Je porte les cris de ces créatures. Ça me tourne le cœur. Peut-être parlez-en avec votre frère. Il vous rend visite demain. Mademoiselle, mademoiselle, vous pourriez nous aider à repartir au commun? Venez, je vais vous raccompagner. Merci, mademoiselle.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je suis prêt, c'est moi. Mon Dieu, je suis ressuscité et je suis encore avec toi. Je dormais. Je dormais comme un mort dans la nuit. Dieu dit que la lumière soit et je me suis réveillé comme on pousse un cri. J'ai surgi et je me suis réveillé. Je suis debout et je commence avec le jour qui commence. Mon Père, qui m'avez engendré avant l'aurore, je me place dans votre présence. Dieu, qui êtes un seul en trois personnes, relation sur qui le Christ est en croix, Verbe en qui tout est parole, ce que vous dites, je le crois. Vous êtes la parole donnée et clouée de clous de fer, le titre en qui j'ai mon espoir. Ce que vous dites, je le crois. Je suis le doigt dans votre plaie. Je suis la main à votre cœur même. Vous qui êtes le Tout-Puissant, vous ne pouvez empêcher que je vous aime. Sachez qu'une personne dont je suis proche a commis le même crime que vous et qu'elle expie depuis 2 ans dans une maison de santé. Tuer un enfant dans une âme immortelle, c'est horrible. Comment pouvez-vous vivre et respirer avec un tel crime sur la conscience ? Peut-être vous ai-je mal comprise. En tout cas, je ne vous parle pas avec l'indignation d'un pharisien, mais avec la compassion d'un frère. Couché à l'abbaye de Frigolet, près de Tarascon, visite tout à l'heure à ma pauvre sœur Camille, à Montevergue. Dans le fond, je suis persuadé que, comme la plupart des cas dits de folie, le sien est une véritable possession. Il est bien curieux, en tout cas, que les deux formes presque uniques soient l'orgueil et la terreur, délire des grandeurs et délire de persécution. Ça a été une grande artiste, et son orgueil et son mépris du prochain étaient sans limite. Cela s'est encore exagéré avec l'âge et le malheur. J'ai tout à fait le tempérament de ma sœur, quoique un peu plus mou et rêvasseur. Et sans la grâce de Dieu, mon
histoire aurait été la sienne, ou pire encore. Est-il possible de l'exorciser à distance? Dieu me dit non à mon entrée au noviciat des bénédictins. Si j'avais été vraiment un saint ou un héros, qui sait si je n'aurais pas passé outre à cette défense de Dieu. Et si malgré tout, je n'aurais pas pu être véritablement un saint. Excusez-moi. À l'époque, j'avais complètement oublié la religion. J'étais à son égard d'une ignorance de sauvage. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre des livres d'un grand poète, à qui je dois une éternelle reconnaissance, et qui a eu dans la formation de ma pensée une place prépondérante. Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations. Quelques mois après, une saison en enfer fut pour moi un événement décisif. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste. Et j'avais l'impression vivante et presque physique, du surnaturel.
Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour assister aux offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, bousculé par la foule, j'assistais à la grand-messe avec un plaisir médiocre. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise habillés en robe blanche et les élèves du séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule près du second pilier, à l'entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être et d'une telle certitude, ne laissant place à aucun doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler cette foi, ni à vrai dire la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. Je ne me suis pas fait chrétien pour jouir plus ou moins du sentiment religieux ou d'une espèce de volupté mystique. J'ai toujours eu horreur de ça. Ce n'est pas pour cela que je me suis fait chrétien. Je me suis fait chrétien par obéissance et par intérêt, pour savoir ce que l'on attendait de moi. Mais je n'ai jamais eu l'idée de jouir de Dieu, d'en tirer une jouissance ou un plaisir quelconque. J'aurais considéré cela comme assez vil, n'est-ce pas ? Il m'a semblé que Dieu prenait solennellement séance dans mon cœur. Il me rappelait ses bienfaits passés et m'indiquait ma vocation qui est de le faire connaître. Et pour cela, il m'invitait à une connaissance plus profonde et plus intime de lui-même. Monsieur Claudel, nous attendons de vous la sainteté. Le secret de la sainteté, mon père, est de laisser faire Dieu.
Oui. On va faire une prière. On va voir le bon Dieu. Oui, c'est que c'est mon Dieu. Il est dans le ciel. C'est celui qui exauce nos prières. Oui. Aïe. Doucement. Mal. On va doucement. Au pied. On va doucement. Bonjour, mademoiselle Claudel. Vous paraissez joyeuse aujourd'hui. C'est l'arrivée de votre frère ? Oui, cet après-midi. Camille. Oh, mon people. Ça crie, ça bugle, ça pleurniche, ça rit, c'est insupportable. Ce sont des créatures, même leurs parents peuvent pas supporter. Pourquoi je suis ici, moi ? Prends-moi. Prends-moi, enlève-moi d'ici, ils ont essayé de m'empoisonner. Camille. Que crois-tu, Camille ? Que faisons-nous, maman, Louise et moi ? Nous faisons tout pour que tu ailles mieux. Nous t'offrons les meilleurs soins, nous te payons la meilleure pension alors que notre pays est en guerre. T'es injuste. Je ne cesserai d'être injuste qu'en cessant d'être sincère. J'ai appris que t'avais envoyé une belle somme d'argent, monsieur le directeur. Mais t'as raison, parce que c'est quelqu'un qui a une grande réputation. Qui a une bienveillance. Comme les sœurs, d'ailleurs. Je sais que t'essayes de me soulager. T'as des charges extraordinaires.
fais des efforts pour moi. T'as 4 enfants élevés, tu vas dans les hôtels, t'as des charges terribles. Je sais pas comment tu fais, c'est pas moi qui serais capable de faire une chose pareille. Mais tu sais, ici, c'est très difficile de vivre. Tu comprends, Paul? Parce qu'il y a des règles, il y a des façons de vivre adaptées. C'est très difficile de changer les choses. Il y a trop de bruit. Tu sais, je voudrais regagner Villeneuve. Je voudrais vivre avec maman. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas me reprendre. Ici, en première, c'est insupportable. Je préfère être en troisième classe. Tu vois, je vis de mon régime. J'ai pas besoin d'autant d'argent dépensé. Ça sert à rien du tout. Je serais... Je sais pas, parle avec le directeur, demande-lui de me remettre là où... Il fait froid ici. Il y a du mistral. Tu devrais dire à maman de venir me voir. J'aimerais bien la revoir encore une fois. Tu lui diras, Paul. En prenant le rapide, c'est pas si fatigant qu'on le dit. Elle pourrait faire ça. Alors, ta femme n'a pas voulu me voir, ni les autres, mais bon, j'espère plus les revoir. Tu te fais manipuler, Paul. C'est Berthelot. C'est ton ami Berthelot. Il a pris toutes mes œuvres. Il paraît que mon petit atelier, mes pauvres meubles, mon petit ménage, mes outils. Excitaient leur convoitise. C'est beau, hein, ces millionnaires qui jettent sur une artiste sans défense. 40 fois plus millionnaire. L'imagination, le sentiment, le nouveau, l'imprévu qui sort d'un esprit développé étant chose fermée pour eux. Tête bouchée, nerveux, obtus, éternellement fermés à la lumière, il faut quelqu'un pour la leur fournir. Il le disait, nous servons d'une hallucinée pour trouver nos sujets. Ben. Il y en a qui auraient la reconnaissance du ventre, qui saurait donner quelque compensation à la pauvre femme qui ont démuni de son génie. Paul. Paul. C'est l'exploitation de la femme. On veut me faire suer jusqu'au sang. Rodin, le cerveau diabolique de Rodin, pensait qu'à une chose, c'est me voler. Il avait peur que je devienne plus que lui. Pendant sa vie, sans doute après sa mort. Il voulait qu'il me tienne dans les griffes. Il voulait que je sois malheureuse et ma peau être malheureuse, je le suis. Ça peut pas te déranger beaucoup, mais je le suis, Paul. Oh, je m'ennuie bien de cet esclavage. J'aimerais bien être chez moi et fermer la porte. Alors tu me dis, Dieu est bon. Dieu a pitié des affligés, oui. Parlons-en de ton Dieu qui...
me laisse pourrir dans un asile d'aliénés. Dieu permet l'expérience, Camille. Il retire sa main. Il nous laisse tomber dans le péché pour vérifier les secrets de sa sagesse. Ces secrets dont notre raison hésitante et perplexe n'avait pas suffi à nous convaincre. Il n'y a rien sur la terre qui ne soit comme la traduction concrète ou déformée du sens qui est dans le ciel. Dieu est partout. Il est dans tous les phénomènes naturels qui tous signifient quelque chose de lui. Dans tous les sentiments humains, Camille. Tous les actes humains. Il n'y en a pas un seul dans lequel il n'ait intérêt, qui ne le regarde, qui n'ait de rapport à lui, aussi bien les bons que les mauvais. Tout est parabole, Camille. Tout signifie l'infinie complexité des rapports des créatures avec leur créateur. En réalité, Paul, on voudrait me forcer à faire de la sculpture. Voyant qu'on n'y arrive pas, on m'impose toutes sortes d'ennuis. Mais ça ne décidera pas, au contraire. Promets-moi que tu t'occuperas de moi et que tu m'abandonneras pas. Je te le promets, Camille. Depuis 20 ans. Chaque soir, chaque matin, je prie pour toi. Je suis toujours malade du poison que j'ai dans le sang. J'ai le corps brûlé, Paul. C'est Luc Nourodin qui me fait distribuer la dose. Parce qu'il espère hériter de mon atelier. Je vais te laisser, Camille. Oui. Peut-être... La guerre finie, je rentrerai parmi vous. Je m'assois à la lumière, je suis tranquille. Quelle affreuse tristesse. Il n'y a pas de pire métier que l'art, docteur. Le génie se paye. Quelle vie, quel drame. La vocation artistique est une vocation excessivement dangereuse et à laquelle très peu de gens sont capables de résister. L'art s'adresse à des facultés de l'esprit particulièrement périlleuses, à l'imagination et à la sensibilité, qui peuvent facilement
arriver à détraquer l'équilibre et à entraîner une vie peu d'aplomb. À 30 ans, ma sœur s'est aperçue que Rodin ne voulait pas l'épouser. Tout s'est écroulé autour d'elle. Et sa raison n'a pas résisté. Ce fut la fin de sa vie consciente. Oui, mademoiselle, votre sœur reste toujours très persécutée. Toujours cette crainte d'être empoisonnée. Avec tout son génie, la vie a été pleine pour elle de tant de déboires et de dégoûts. Certes, mais mademoiselle Claudel est maintenant calme et docile. Elle s'ennuie beaucoup. Elle souhaite très vivement se rapprocher de Paris, en voulant vivre seule à la campagne. Et je pense qu'il serait peut-être temps d'essayer de la satisfaire.